Pas mal. Niveau fer, on va être tranquille. Ça va faire du bien. Ouais. Oui. Ça va faire du bien, fer. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, non, je réfléchis plus trop là, tu vois, j'ai... Voilà. Enfin, on va bientôt stopper le live. Oui. C'est sûr. Voilà, voilà. Ah, vous avez apprécié, c'est moi qui ai parlé. Et enfin le blé. Et ça c'est quoi ça? Cornichon. Ok. Ça c'est quoi ça? Oui. Alors. Cette fois-ci c'est moi. Mais éternuée. On passe pour une médoc ce soir. Éternuée parce que j'ai envie d'éternuer en fait. Et au médoc. Radic a sorti sa première vidéo sur FTP. Ouais. C'est vrai qu'il arrête pas de réclamer le miam miam en fait. Bah demande-lui. Attends. Voilà, tu veux un biberon. Hop. Ah, comme ça, oui. Est-ce qu'on peut faire un filter dans les transferts de... Oui. Tu sais quoi faire ou Non mais vas-y dis-moi. Est-ce que tu pourrais faire un filter pour la transfert node et un coffre en diamant? Enfin et l'upgrade du coffre en diamant. Filter pour la transfert node et un coffre en diamant. Ok. Bon, de toute façon je connais le craft quasiment par cœur de dans la transfert node. Donc voilà la taille des champs. Enfin à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Bon y a pas grand chose hein, pour le moment, c'est normal. Finalement, je connais plus le craft de la du filter. Filter. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un filter? Ah, je me demande si je me confonds pas avec le avec la version 1.8. Ouais, je suis en train de me demander si je confonds pas les deux modes. Ouais, je suis en train de regarder. Ah oui, il y a le filter pipe de extra U. Mais ah si, c'est bon, je disais bien qu'il y avait un film. Ah oui, c'est comme ça, ok. Mais t'es gouré dans le craft. Voilà. Alors, tu veux le filter et tu veux quoi d'autre aussi? Ben, le filter et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bonne question. Je me rappelle plus. Moi non plus, malheureusement. Et il est tellement tard qu'on fatigue un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait dit les gens, filter et puis quoi? Ouais, aidez-nous. Help. Filter et... Aucune frustration. Ouais,
franchement, je ne sais plus non plus. Là, ma tête, elle est en mode. Ah oui, merci. Alors, c'est quoi? L'upgrade pour le chest. Ouais, on dément. Nos têtes sont en mode out of memory, je pense. Ah bah là, ils y sont de. Ça, c'est rebooter, rebooter. Rebooter, shutdown pour la soirée. Clairement, ça. Tenez, monsieur, filter et machin. Merci, monsieur. Le diamant à. En diamant, mon coffre. Ah, tu m'as dit l'upgrade pour le mettre en diamant. Non, non. Oui, pour le mettre en diamant, mais il est pas en gold. Mais il est en quoi là? Il est en bois. Ah, bah il faut me dire tous les upgrades. Ah. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Comment c'est drôle? Non. Trop fatigué là. Tellement. Fatigué présent. Bon, en tout cas, ça fait gros. C'est très gros et ça me fait pas plus de lag que ça, surtout que je suis en stream. Si, avec les particules. Ouais. J'ai pas plus de lag que ça. Ouais, quand un jeu est optimisé. Alors, comment ça marche? Ah, oui, d'accord, ça marche comme ça, ok. En fait, on fait shift-click, on met ce qu'on veut dans le filter et y a que ça qui passe, c'est ça? Ouais. Ok, donc par exemple, si genre je mets une tomate et un machin, je mets ça. Ah là là, c'est magnifique. Oh, oh yeah! Rien ici. Non, Greg Tech il est pas mis, il sera peut-être mis un petit peu plus tard. C'est des bugs de conflit. Et bon, Maxouche, t'as tout en mode copier-coller pour. Info, live, don ici. Doit s'amuser à faire. Comment ça s'appelle? Ctrl V, Ctrl D ou. Pas du tout! Moi, quand j'étais ancien modérateur sur la GRTV, PA son âme et sur LD, PA mon âme, PA de LD, on avait un petit programme des key binding où tu fais genre F1, pouf, ça te colle la phrase. F2, pouf, ça te colle la phrase. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Et du coup, quand t'as un milliard de phrases à lire et que t'as 1000 personnes qui ont le chat, c'est très, très utile. Je te confirme. Ah, ça me rappelle les bons vieux souvenirs où il y avait la GR et on pouvait modérer. Kalash 7.1, je ne sais pas. Pas du tout, je suivais pas FTT2, déjà ça a même pas duré 2 semaines d'ailleurs. Donc, moi je dis ça, je dirais, mais ça parle mal hein. Ah, problème de TPS. Peut-être ils avaient peut-être vu trop gros, mais. Mais bon. Pas aussi gros. La boîte. Que la ferme que je vais faire. Ouais. Ça c'est que la partie numéro 1 de la ferme. Alors imaginez des choses comme ça, là, on va montrer ça un petit peu de plus haut. Imaginez ça. Et un là, un devant, un sur le côté, un autre là. Voilà. Et ça va être joli. Ça va être joli, ça va être très très grand. Et j'aimerais bien faire courir quelques câbles d'immersive. Tu vois, pour genre l'énergie ou autre. Et avoir une petite ferme, une sorte de ranch où on stockera tous les ça là dans des caches résonantes de mecha. Ouais. De mécanisme. 100 000 objets par cache et tout le reste, enfin une fois ah que non, ce c'est sera thermal. Full. C'est thermal. Thermal? Ouais, les caches. Une fois que ce sera full, ça partira en bio, en biofuel. Et tu vois, pour le biofuel, je me suis dit un truc. Hein, sinon ça fait écho. Oui, non, mais faut que je te parle à toi pour te montrer là. On va voir. Voilà. Donc, je me suis dit un truc. Sachant qu'il faut biofuel et entre guillemets coller ou avoir à côté le bioréacteur. On peut faire une tour où on alterne biofuel, bioréacteur, câble, biofuel, bioréacteur, câble. Et tu vois une tour comme ça, une grosse tour de production. Et on va recouvrir. Donc comment est-ce qu'on pourrait designer vu qu'il va nous en falloir plein?
est bonne cette question. De grosses tours de production avec les câbles du coup, on voit le flux passer. Par exemple, là sur le jeu, ce qu'on pourrait ici faire une genre de grange comme tu avais fait. On en fait plusieurs et peut-être symétrique, on fait la grosse tour comme tu as dit, production d'énergie. Les granges, tu veux les coller pour faire des. Je vais pas faire plusieurs granges, je vais en faire qu'une. Ou une grande, une bien massive comme il faut, avec plusieurs champs à l'intérieur. Et tu fous la grosse tour de production comme une cheminée dessus. Bah, tu sais les fermes américaines. Tu vois ? Exemple parfait. Ferme américaine. Avec. Ah, le gros silo sur le côté. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Le silo, et dans le silo, bah, il y aura les le biofuel. On fera des pans de mur en verre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, comme si le silo était coupé comme un gâteau. Donc on pourra voir les choses et ce sera pas mal. Ethan, c'est quoi ton chocolat préféré? Au lait. Ouais. Non, j'aime pas. Et je suis pas raciste. C'est un architecte dans l'âme. J'aime beaucoup. Bah, si tu suis fait forte, tu as pu voir les différentes saisons de LDP, tu as pu voir Galactic Craft. Ouais. Donc, ouais. Il en est nous où, avons un faux Furious Jumper. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai... Bon, on va voir le chat et bonne nuit. Salut. Nous avons 9000. On a commencé le live à 11h. De sludge. 9000. 9 sourds en fait de sludge. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça produit pas beaucoup. Bah, il produit plus là, en fait. Là. Il est quelle heure chez vous? Bah, 22h16. L'heure qu'il est chez toi. Voilà, sauf si tu habites en Martinique ou autre. Voilà, généralement un Québécois. On va refaire Galaxy Iron, oui. Ils vont faire une tour de Babel de bouffe. Ils sont des dieux. Tout à fait, Polar, tout à fait. Oui, 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 on est en dèche d'Iron. Enfin, plus trop maintenant, mais ça va partir vite. Enfin, oh, on... fuck you. Ah, ça. Bah, y'a du gold qui s'est mélangé avec de l'Iron et du coup, ça crée le putain de truc de métallurgie. Ah, bon. Fuck you. Non, c'est assez con, malheureusement. Surtout si on fait deux stacks, quoi. Deux stacks? Ouais. Ouais, donc c'est très con. Après, je sais pas si on peut séparer les liquides pour faire des fluides. Différents, mais non. Tellement de temps ce harvester, là. Bah il a toute la zone à scan, du coup c'est très long, c'est ça? Ouais. En fait il fait bloc par bloc, enfin ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Ça non? Je sais pas comment il fonctionne le truc. Comment il fonctionne l'harvester les gens? Est-ce qu'il fait genre pouf, une ligne, hop, une autre ligne, hop, une autre ligne, hop, une autre ligne, ou est-ce qu'il fait vraiment... Ah non, c'est pratique ça. Le bah du coup le fer qui s'est mélangé au gold, ouais. Je peux en faire des shears et en faisant ces shears là, je peux le remettre dans le magma crucible et ça refait des deux lingots de fer. Ouais, mais dis donc. C'est pas plus mal finalement, je vais prendre l'autre. On est 20 de plus. Je suis en train de demander un truc là, bon ce serait purement esthétique, ça sert à pas grand chose. On pourrait faire... Je sais pas comment faire après, une sorte de marché couvert
avec plusieurs étages, des PNJ. Dans ces étages, on peut pas sortir, mais derrière eux, par exemple, donc une moelle, ouais, du coup, il faudrait des grandes étages. Derrière eux, on fait, par exemple, tu vois, pour faire du cornmeal, pour faire de la farine de blé, il faut un pot comme ça et un maïs. Et là, on fait avec les Den Frame ce craft là derrière eux, et comme ça, en fait, c'était eux qui produisaient ce système là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, un marché couvert pour montrer ce qu'on fait. Au lieu que ce soit dans des coffres, dans des chaises, dans Applied, on montre aux gens ce qu'on fait. Ça peut être pas mal, ouais. Encore une fois, ça serait esthétique, mais au moins, on impose, on rush pas, on montre ce qu'on sait faire. Ça, c'est cool, c'est mieux. Oui. Que les petits zizi qui rush. Il me faudrait un autopeur. Ah, c'est ça, les anciens trucs, c'est joli. D'ailleurs, ils sont les autres anciens trucs, je vais les faire pousser. Ouais, en synthruit, ils sont bien. Ouais. Prendre ma petite wand de poussage. Et ça va pousser. Ouais. Alors, j'enlève juste le deuxième et je vais le mettre lui. On fait pousser ? Ouais. Oh. Oh, fuck. Effectivement. On attendait pas un truc aussi grand. Ah, ouais. Ouais, je pensais petit, mais pas du tout. Ouais, je pensais, ouais. Et c'est quoi, du coup, ce mode? C'est ancien tri. Combien est-ce qu'il y en a? Ancien tri, il y en a énormément. Ancien tri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et un 13. On en a 13, ça peut... Eh, ça me tente bien. J'ai envie de faire une serre, du coup, ou une petite forêt avec que des anciennes tri. En fait, j'ai envie de faire plein de choses. Bon, c'est bon signe, du coup. Oui. Je vais voir à quoi ressemblent les feuilles en pas fast. Ah ouais. Ça change de fast à... machin. Par contre, du coup, ça n'influe en rien du tout. Les feuilles. Le live. Ouais, moi, des fois, si. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Moi, je vais voir quand ça... On verra la différence, je l'arrêterai. Mais voilà à quoi ça ressemble sans le fast. Encore. Enfin, de toute façon, c'est mieux. Voilà, petites anciennes tri. On est plus emmerdé par les creepers, hein. Oui, bah, depuis Magnum Storch, on est tranquille. Ouais, et c'est le début de l'esclavagisme des villageois. Oui, tout à fait, Polar. Ouais, pirate, t'as tout compris. C'est nous qui avons la plus grosse parce qu'on fait les choses dans l'ordre et on se complique un peu la vie. Que de faire du big reactor à gogo. Ouais, ça casse tellement le truc. Ouh, c'est... Et voilà comment les gens jouent, nous. Enfin, moi en tout cas, t'es à combien de FPS, Ethan? Je te dis ça tout de suite. 50. Moi je suis à 30. On aime bien jouer. Ah oui, j'ai oublié l'hopper ici. Tranquillement. Enfin, ça dépend de votre. On aime bien rusher, mais on aime bien aussi jouer tranquillement. Pour le moment, ça sert à pas grand chose de rush, d'avoir un big reactor, du coup, énergie entre guillemets limitée. Et t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Moi, c'est ça en fait. Tu rushes trop, du coup, tu sais où t'en es, quoi. Hein? Ouais. J'avais oublié de mettre un hopper en dessous. Donc, du coup, bah, là, il descend. Et les feuilles sont. Il est beau, cet arbre. Ouais, c'est je sais qu'il va être 22h30, les gens. Ouais, et on va aller se coucher.
Moi, je vais faire un petit tour à la ferme, histoire de dire. Mais vivement qu'il y ait les pousses. Oui. Faudrait que ce soit loadé ici. Tu as des perles des yeux d'Ender? Ah oui, j'en ai une. On va faire un petit chunk. Fais directement un chunk, du coup. S'il te plaît. Au moins, enfin, vu que j'ai agrandi la ferme un peu. J'en ai 3 en plus, donc ça va. Ok, bah, tu peux faire quand même un chunk loader pour repasser. Ouais, non, c'est bon. Chunk loader, mais pas spot. Oui, chunk loader, oui. Bah, de toute façon, elle fait. C'est le bordel niveau chunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, de toute façon. Oui, bah mets-le là. Ouais, là. Raté, mais c'est pas. Non, bah non, je peux pas le mettre là, il y a le bloc. Ah oui. Bah, par contre, du coup, à toi de le régler, moi je peux pas. Ah, il y a eu par défaut un. Fait voir les lasers. Ah bah non, il n'y a que toi qui peux le voir. Le mettre à côté. Non, casse rien. Mets-le en plein milieu si tu veux du chemin, mais. Alors, c'est des musiques. Vous en pensez quoi des musiques sur le live? Ouais, là c'est bon. Ok, tant mieux. C'est rien en mode 50 sur un 50 sur un portail et c'est tout. Ouais, bon, ça va, j'ai un bon ordi. Portable. Il y a botanier avec les plantes pour l'énergie. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Ouais, Oui, mais oui, disons qu'il faut énormément de mana pour. Ah, quoique, non, en fait, non, ça produit bien, mais bon, il faut faire les Gaïa, quoi. on l'a déjà fait en fait, surtout. Pas avec Botania, pas l'énergie. On a fait un setup, mais on l'a jamais produit. Après, c'est pas mal, mais si tu as trop de mana, tu peux le faire. Mais par contre, voilà, il faut s'avancer dans Botania. Et pour l'instant, j'en ai pas envie. on va prendre notre temps. Ce Botania, en fait, les gens, c'est ça le problème, c'est que Botania, par exemple, Botania, Tomcraft, tout ça, ce sont des mods qu'on fait à chaque mod pack. Ouais. Et puis à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait en premier? Tomcraft. Botania. Ou Botania, l'un des deux. Mais nous, du coup, là, bon, c'est FTP, c'est mythique, du coup, on a envie d'explorer d'autres modes et de prendre notre temps. C'est ce qu'on fait à faire du biofuel. Jamais on aurait pensé faire. Enfin, on aurait pensé faire du biofuel, mais ça aurait été tellement long à faire qu'on aurait abandonné. On aurait fait du réacteur. Largement. Voilà, on prend. Vraiment le temps. On prend le temps. Et on a même pas de jetpack. Moi perso, j'ai pas envie d'avoir un jetpack tout de suite. Hein. Non, moi non plus, sinon je me connais, je vais rester tout le temps en l'air, ça va être chiant. Voilà. Si on a un jetpack, Puis jetpack. on ne fait que voler. Mais ça, c'est pas un défi, quoi. Enfin, je trouve. Moi personnellement, on peut faire un jetpack, ça me ferait chier de tout faire à la main. Surtout, il faut des steam dynamo machin. Ouais, bah, hein, va te faire mettre. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu regardes? Le craft du jetpack, j'ai non. Ça ira, merci. Ça va, niveau fer, là, on va être très tranquille. J'en ai Tant mieux. 3 stacks de minerais en plus encore. Parfait. Parfait. Elles sont trop classe. De quoi tu parles? Ou les abeilles quand elles y sont? Oui, les abeilles. Bah les abeilles. En fait, si je veux, on veut faire les abeilles, il faut un champ de blé. Il faut des seed oil à gogo. Ouais. Ou les pumpkins. Ça, c'est Après, pour de plus.
toute façon, quand on entamera les abeilles, quand on aura décidé d'entamer les abeilles, on fera tout ce qu'il faut autour des abeilles. Là maintenant, le truc, ça va être occuper l'espace. Voilà. Moi, mon but, c'est d'occuper l'espace. Occuper l'espace, ça c'est clair. Après, au niveau des abeilles, je reviens dessus. Je vais pas faire comme FCP3, mettre des ruches près de chez nous et YOLO. C'est vraiment construire un habitat pour les abeilles, faire une maison pour elles, etc. Et après, je mettrai les abeilles dedans. Je passerai pas par jeune industrie parce que c'est le mode le plus OP du monde pour les abeilles. J'ai envie de faire à l'ancienne, ça veut dire que le croisement, le couple. Voilà, prendre son temps quoi. Voilà, je pense que ça va être le maître mot de. Ouais. Ça va être le maître mot de FTP, prendre son temps. Bah en plus c'est ça. J'ai dit à Pierre que cette saison je la rusherai pas. Y'a tout le monde qui est en train de la rusher en plus. Ouais. Et puis avoir personne d'ici. À part nous. Ah ouais. FTP hashtag épisode 165. Pareil la base on va prendre notre temps pour la faire. On va pas non plus trop tarder, parce que moi du coup si on tarde trop pour la base je vais m'en désintéresser. Et par exemple Redix qui lui a déjà fait la moitié de sa maison, enfin. Moi honnêtement une fois que la base est finie pour moi je m'ennuie. C'est ça le truc. Quand il y a les machines comme ça encore en bordel. Là ça va, ça fait plus mode pack. Par contre quand il y a les machines toutes faites placées dans la base, là je trouve ça un peu plus... Oh. Bien. Et tant mieux si les musiques, te plaisent, tant mieux si ça vous plaît. Ça reste de l'énergie bio, oui, ça reste de l'énergie bio. On fera une autre énergie si vraiment on a besoin d'un max. Énergie. Et pour le moment, énergie bio, construction, on s'embête pas en fait. Voilà. Ouais, de toute façon, pour l'énergie, hein, il y a d'autres modes, notamment Reactor Craft, Rotary Craft, c'est des modes qui sont très peu faits parce que ça demande énormément de temps, mais. Notamment le fameux réacteur que Shorty veut faire depuis un bon bout de temps d'ailleurs, le Tomahawk, comme il l'appelle. Il faut juste 2,5 millions de blocs de fer pour au moins le setup. Il faut du Deuterium ni du Tritium pour le démarrer. Une fois démarré, ça te produit de l'énergie à l'infini, mais le tout, il faut le lancer. Et c'est beau. C'est beau une fois bien setup, mais ça prend du temps. C'est du 40 par 40 le réacteur en plus. C'est du coil. Oh bah on fera tout ça. On le fera. En Rotary Craft ça a l'air très très bien comme mode, j'aimerais beaucoup le faire. Ouais. Ouais c'est ça, c'est le mana Fluxed pour Botania. Qui est facile à faire, mais bon il faut juste renvoyer la mana dessus. Ouais. Je sais que j'avais testé en créa la mana comme ça, c'était quoi je crois que c'est quasiment du 20 000 RF quand tu envoyais de la mana à Gaïa dessus. 20 000 RF par tick, en mana c'est pas mal. Hein. Faut juste le faire. Bon, et sur ce, les gens, on va se laisser tranquillement. On va se faire épée écologique. Ouais, cette saison est très économe. Du coup, bah, bisous tout le monde. Merci pour tous les tips et dons. Ça marche super bien, j'ai vraiment adoré. De toute façon, demain, on retourne dessus. Le matin, tranquillement, on verra quelle heure. Voilà. Parce que là, on est en train de faire dodo. Et si Lily déjà, il est 22h30. Voilà, alors c'est très bien, je vais pour arrêter live.
Et j'ai un raid joue à Pokémon Go. Un qui? J'ai un raid de gens qui m'écrivent joue à Pokémon Go. Mon dieu, vous êtes sérieux. Ça vient de qui le raid? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a osé faire ça? Il me demande de jouer à Pokémon Go. Ah ouais, effectivement. Bon, premier raid sur YouTube, sur Twitch. Merci, ça fait très très plaisir. Attends, Steve. Tu peux remonter le live. De la Twitch. Hein? Ah, mon petit Sénor. Merci beaucoup, Sénor, ça fait très très plaisir. Allez-y, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je fais du Minecraft. Moi. Hein? Ouais. On peut pas en dire ça de tout le monde, Team Truits. Mais oui, forcément c'est Sénor. Eh, c'est simple, je tape Team Truits sur Google, je tombe sur Sénor. Sénor, Clash of Clans. Eh ben ça fait très très plaisir, merci beaucoup Sénor, merci à tout le baf. Il y a 356 personnes le PPR. On va calculer de tweets, enfin de tweets, de truits qui viennent d'arriver sur le live. Moi je suis un peu enné, en plus je suis un peu fatigué. On se retrouve demain à 14h. Non, mais en plus il finit aussi son live. Mais... Twitter. Il finit aussi son live, eh ben c'est parfait, on est synchro. Des gros bisous sur synchro. Encore merci à tous de votre fidélité, merci à Roro et Airwaves hein, pour le relais au niveau des tweets, ça a beaucoup aidé. Oh, épée forte! Ah bah ça y est, ils ont vu! Mais j'ai pas compris la épée forte, votre stream, si c'était... Oui, oh là là. Je joue à Pokémon Go. En tout cas, je te fais un million de personnes qui me demandent de jouer à Pokémon Go. Du coup, viens, on continuera à jouer à Pokémon Go. J'ai un petit ronflex. Ouais. Un petit ronflex 10-10-10 à te montrer. Bot DQ. 800 truites vous êtes, mon dieu. T'en fais des truites. Y'a plein de truites. Demain, c'est sushi. Voilà, voilà. Bon, allez, bisous les gens, nous on se laisse. Rendez-vous demain pour la suite des lives, etc. Ciao.